Mais ce n'est pas la seule puissance étrangère qui pourrait être impliquée. Les relations entre Kabila et les États-Unis étaient difficiles. Dès le début de la guerre, les États-Unis prennent fait et cause pour le Rwanda. Ils exigent de Kabila qu'il dépose des armes et participe à des pourparlers de paix. Ils demandent aussi une ouverture économique. Et Kabila, le vieux révolutionnaire, rejette leur demande et se tourne vers la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Les positions de Kabila va-t-elle gêner les États-Unis? Les gardes du corps qui ont tué Kabila étaient en contact avec une colonelle de l'armée américaine basée à Kinshasa. Dans l'époque de Rachidi, Rachidi a battu, mais quelle carte de visite des diplomates américains vont être retrouvés dedans? Dans ses poches. Avant, cela avant l'assassinat, Georges Mirindi était déjà arrêté parce qu'en connivence avec des agents de renseignement de la CIA à Kinshasa. Il était déjà arrêté. Mais pourquoi on l'a gardé encore autour dans la sécurité du chef de l'État? Quelle interrogation. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient en rapport avec tout cela. Des militaires gardes du corps d'un président, des rapprochés, avec des cartes de visite des diplomates étrangers. C'est-à-dire, il y a des contacts privés qu'ils prennent, en dehors des règlements qui devaient régir la sécurité rapprochée d'un chef de l'État. My thesis is... La thèse est la suivante. Ces jeunes gens ont été manipulés par des forces extérieures. It was strange that the military attaché. Est étrange que l'attaché militaire de l'ambassade américaine ait pris l'avion pour quitter le pays ce jour-là. Vite fait. Alors qu'ils ont tué Kabila. Warriors, je vous ai laissé. Attendez. On va voir si c'est certain. Warriors. Je vous ai laissé cette semaine. Vous savez que quand la Warriors s'assoit pour dire que la récréation est terminée, on ne me croit pas. Direct sur direct, pour l'instant, on suit un documentaire qui est très important et très instructif pour les Africains. C'est sa carte de visite. Au dos, elle est écrit, si vous arrive quoi que ce soit, contactez cette personne. Et elle a laissé cette carte à l'un des gardes du corps. Ça va, c'est étrange. Et vous aviez trouvé cette carte de visite? Oui, ouais, oui, la commission l'avait. Ce sont sur ces éléments que ma thèse se base. Il y a eu une intervention extérieure. C'est clair. Si vous prenez les Libanais, que vous y ajoutez le groupe de Massasson, et puis tous ces gens, il est facile de comprendre que ce complot avait été préparé de longue date. L'attaché de défense de l'ambassade américaine a reconnu qu'elle était en contact avec les gardes rapprochés de Kabila, mais elle nie toute implication dans l'assassinat. J'ai quitté le Congo peu après l'assassinat, mais c'était une pure coïncidence. Oui, j'avais été en contact avec les gardes du corps. Ils formaient une espèce de bande et mes contacts avec eux étaient très informels. On a certainement pris quelques bières ensemble, mais je ne leur ai jamais donné d'argent. Néanmoins, l'élimination de Kabila arrangeait les Américains. Et ils ont peut-être laissé faire, comme ils l'ont fait 40 ans plus tôt, presque jour pour jour, lorsque l'Occident organisait l'élimination d'un autre leader congolais, Patrice Emery Lumumba. L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Comme Lumumba, Kabila refusait de se soumettre à l'hégémonie occidentale. À la fin de son règne, Kabila avait de nombreux ennemis. À Kinshasa, on disait qu'il y avait une file d'attente pour le tuer. Difficile alors d'établir toutes les complicités dont les gardes du corps ont bénéficié pour passer à l'action. Warriors, pour commencer, gombo ancestral, tripe, poulet,
poisson fumé. Voilà. Le pipi, tu vois comment je mange avec la coste. Le yami, t'as la coste. Non, je suis tombé sur un truc qui m'intéresse beaucoup. Là. Il a été condamné à la peine de mort par le même juge qui avait présidé le procès Kabila et à son tour, il croupit en prison. Lui qui avait déclaré que le procès Kabila n'était pas terminé et qui avait promis de nouvelles enquêtes, il a été démitté. Lui, il a trouvé, il est rentré en prison. Notre dernière chance de faire la lumière sur cette affaire se trouve en Suède. C'est là que Georges Mirindi, le complice présumé de l'assassin, s'est finalement réfugié. La Suède, comme toute la communauté internationale, a dénoncé l'iniquité du procès Kabila et a ouvert ses portes aux prisonniers qui ont réussi à s'évader. On a eu la chance. Nous sommes accueillis par certains d'entre eux. Ils étaient condamnés à mort, mais ils sont parvenus à s'évader en 2006, après 6 années passées en détention. Aujourd'hui, l'exil a réuni ses réfugiés politiques. Mais si les innocents ont passé de longues années en détention, Georges Mirindi, le complice présumé de l'assassin, s'est évadé avant même l'ouverture du procès et n'a jamais répondu aux chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Lui sait qui a organisé l'assassinat, mais aujourd'hui encore, il est difficile de le faire parler. Je n'ai pas de théorie. Je n'ai aucune théorie. La bonne théorie, c'est que... J'ai été en prison. Pourquoi t'as libéré? Non, ad hoc. C'est comme chez l'enquête. C'est même quoi la base, moi, laquelle on a présenté des versions qui ont conduit à des doutes et à un flou là. Politiser le procès suffisamment pour qu'il n'y ait jamais de vérité, donc c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir une idée. Mais j'ai juste lire la presse. Pourtant pour nous, c'est très clair. Rachidi a tué Kabila. Et Rachidi est sorti en courant. Si. Et puis il a été abattu par Chérou Makoula, qui l'a tiré dans les pieds. Oui. Et puis ensuite, Eddie Capel est venu l'a exécuté. Mais Rachidi devait quand même avoir un plan de fuite qui n'a pas fonctionné. Et peut-être que vous étiez dans ce plan de fuite. On peut dire ça. On peut dire ça. Quand les gens veulent dire quelque chose, on ne peut pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire. Mais la vérité est autre. Rachidi en dit, sorry, tu ne vas pas en dire c'est Rachidi. Tu vas pas parler Rachidi, tu veux qu'il le il a tué ses mots. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mon père courir et dire non, il vient de tirer sur le chef de l'État. Imaginons mon père.
si on peut imaginer qu'il y a des balles qui viennent ici, si on sait les coups, les essais que ça peut faire. Moi, t'as un civil qui va pourrir derrière un militaire. Moi, t'as même pas peur que cet homme-là qui vient de tuer ou si on vient de tuer. Moi, t'as l'idée qui ici pour qu'il puisse courir derrière quelqu'un. Chira Bagoula avait entendu les coups de feu et il voit Rachid sortir en courant du bureau. Oui, qu'est-ce qu'il pouvait ne pas dire à Chira Bagoula qu'il était de Rachidi courir pour une ou une autre raison? Est-ce que Chira Bagoula est en train de communiquer avec Rachidi? Est-ce que Chira Bagoula a d'abord vu que les dégâts que Rachidi aurait commis? Est-ce que donc c'est très flou? Et le Libanais? Oui. Héritier. Il est héritier. Je m'attendais que ce genre de questions arrive. Le Libanais. Héritier. Je l'ai connu, effectivement. J'ai connu le tir à la mer. C'est-à-dire quand, avant Georges d'être en Amazon, il y avait un certain Emile Kanengel qui était chef de la mer. Alors, on a parlé, vous voyez, le fils qui est en prison à Kinshasa, Mourad, bon, le fiston. Je vais avoir avec le Libanais, comment faire? On s'écarte, j'ai l'impression qu'on s'écarte un peu. La question c'est d'avoir un Libanais. On dit ce bien l'héritier. Pourquoi est-ce qu'on tue 11 Libanais le soir de l'assassinat? On dit que c'est un rapport avec un certain Bilal héritier qui travaille dans l'entourage du chef de l'État. Peut-être qu'il peut pas travailler, mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Je connais il y avait beaucoup de gens qui venaient, des Blancs, des Arabes. S'il est aussi venu un jour, je ne sais pas. Il ne faut pas compter sur Georges Merindi pour reconnaître son rôle dans l'assassinat. Ah, je le faisais sur. En attendant, à la prison de Kinshasa, d'autres paient pour le crime. Il faut que la vérité soit restituée. Il faut que la vérité soit restituée. On ne bâtit pas un pays sur la base des mensonges. L'honneur est mort. On ne sait pas trop bien comment. Kabila vient de mourir. Il est mort aussi. On ne sait pas trop bien comment. Et comment un pays va se construire sans connaître la réalité sur son histoire. Moi, je crois que c'est. On est mal parti. On est mal parti. Très mal parti. Avec des cadavres enfouis. Donc, on ne suit pas un pays avec des cadavres dans les placards de l'histoire. On est mal parti. Il y a un autre mille-profite qui est le fil à qui est là. Monsieur le Président de la République, vous avez parlé de l'impunité. Vous avez dit qu'elle ne pouvait plus prévaloir. Mais il y a des gens qui sont en prison, des personnes qui ont été jugées dans le cadre du procès de l'assassinat de votre père, un procès qui a été décrié par les organisations de droits de l'homme comme un procès inique. Parmi ces gens, il se peut qu'il y ait des innocents. Est-ce que, Monsieur le Président, vous avez l'intention de rouvrir ce procès un jour ou bien de prononcer une amnistie? Merci. Amnistie ou non, pour ceux qui ont été condamnés. L'assassinat du feu, mon père, Laurent Désiré Kabila. Écoutez. Il y a eu deux ou trois assassinats aux États-Unis de président de la République. On a amnistié combien de ces assassins? Vous savez, la démocratie, c'est aussi la justice. Mais là, chez moi, moi, je suis Kabila. C'est la troisième fois que M. Zafran me pose la question. Et je lui ai toujours donné la même réponse. L'affaire se trouve entre les mains de la justice. Je ne suis ni le président de la Cour suprême, ni le président du procureur général de la République d'ailleurs, ni l'auditeur. Alors, je n'aimerais pas ici influencer. Il était pour Kabila, le président. De la justice congolaise. Et puis, qui a tiré ou qui a commencé? Joseph Kabila est mal à l'aise. Écoutez. Il
sait probablement que les complices et les organisateurs de l'assassinat courent toujours. Mais le procès lui a permis de faire croire qu'il avait trouvé les assassins de son père et d'asseoir son pouvoir. Il ne souhaite pas reprendre les enquêtes qui incrimineraient peut-être le Rwanda et les États-Unis, les ennemis de son père, avec lesquels il s'est réconcilié dès sa prise de pouvoir. Il a signé des accords de paix avec le Rwanda, il a mis fin à un monopole sur le diamant et a ouvert le Congo aux investisseurs étrangers. Antoine Boumilia, le détenu à la caméra cachée, après 10 années passées en détention, il a réussi à s'évader. Ah ! Laissant derrière lui 50 autres prisonniers sacrifiés à la révolte. Président, bientôt, ne vous inquiétez pas. Vraiment. Le pouvoir. Lolo, avant de s'asseoir pour me parler, mangez d'abord bien. On en sait davantage sur cette opération et sur quelques questions qui sont très importantes. De quelle nature? Comment se sont déroulés les affrontements avec l'armée russe? Si on parle de 13... 20, peut-être 30 morts du côté qu'est-ce qui a déclenché réellement Prigojine, au-delà de son différend avec Shoigu sur l'armée? Est-ce qu'il avait obtenu des garanties Il y a la guerre aussi. Et pourquoi a-t-il fait volte-face de cette manière-là, aussi soudainement? Est-ce seulement parce qu'il s'est dit « je ne peux pas y arriver » Il y a davantage sur toutes ces questions. On a désormais des réponses. Voici les indispensables avec Fanny Bailly. Ok. Il y a la guerre aussi. C'est un peu l'histoire secrète de cette tentative de coup de force. D'abord, on n'en sait plus sur Ah, il y a la guerre là-bas. Trilogie. Moi, je suis là, je retourne quand il y a la guerre. Donc, les gens vont mourir, c'est là, je suis assis ici, madame. Non, mais parce qu'on dit qu'il y a rien. Au 1er juillet. Et que Prigojine en était très désolé, le mot est faible, et que ça mettait Prigojine très en colère. Mais de là à entreprendre une telle équipée, il y a un pas. Alors que s'est-il passé en plus? Ce qui s'est passé la nuit, c'est qu'Evgeny Prigojine a pensé avoir l'assurance que plusieurs hommes clés allaient immédiatement le soutenir. Et cela allait provoquer des ralliements en cascade. Qui sont ces quatre hommes? Eh bien, ils sont à la fois proches de Prigojine et proches de Vladimir Poutine. Le plus connu, c'est lui, Sergei Sourovikine, 56 ans, général de l'armée russe, un relais de poids dans l'armée pour Prigojine. Il a dirigé les opérations en Ukraine Caroline Schulke et janvier dernier. On va le Cameroun. Autre figure notable, cette fois dans le monde politique, Alexei Dioumine, 50 ans, ancien garde du corps de Vladimir Poutine lui-même, aujourd'hui gouverneur de la région de Toula, qui est à côté de Moscou. Il appartient au même parti politique que Poutine et il est souvent cité d'ailleurs comme son potentiel successeur. Yuri Kovalchuk, 71 ans, actionnaire principal de la Banque de Russie et surtout trésorier personnel et conseiller de Vladimir Poutine. Ou encore Viktor Zolotov, 69 ans, lui est directeur de la garde nationale et membre du Conseil de sécurité de Russie. Les toutes premières heures ont peut-être conforté même Prigojine dans l'idée, cette idée qu'il était soutenu, puisque rappelons-le, il est entré dans Rostov sans tirer un seul coup de feu. Les deux généraux qui l'entourent alors acceptent même d'être filmés avec lui, même s'ils ne cautionnent pas son coup de force. C'est ça, il a pensé avoir l'assurance, c'est votre formule. Okay. On ne sait pas s'il y avait eu des discussions préalables et s'il y avait des assurances vers là. Ça, comment il regarde pas ce genre de choses-là? Moi, je mange bien le long. Tu vas te vanter d'en rien, tu es une pauvre clochade. Clochade XXL.
Regarde-toi. Regarde-moi. Une saleté, une sale poussiasse. Une perbèche contre une pétasse contre tout ce que tu es quoi. Tu n'es rien. Tu as dit que toi, homme, zéro macabo. Moi je suis ici, ce n'est pas qu'il y a la guerre ici. C'est la guerre. Moi si hein. Ma paix est toujours là. Lolo pipi. La honte de Banganté. Regarde-toi, il t'a fait la Dorcas. Dorcas se cherche maintenant, il serait une suite flamme. Vraiment. Ta bouche est pour vous là. Vous êtes là. Tu dis que les gens qui ont payé les parpaings. Qui savent combien coûte un sac de ciment. Toi, tu viens t'asseoir là avec tes longs. C'est tes longs, c'est là que tu ne sais, tu ne sais rien. Elle me fait souvent pitié. Les gens qui te manquent, tu ne pas ces gens-là. Je vais t'enfermer à manque. Mais à quoi es-tu au pays? Dieu. Il y a la guerre ici. Parce que je ne suis pas au courant qu'il y a la guerre ici. Lolo, mets un peu tes pieds au pays, on voit. C'est moi qui t'enferme. Hein. Tu vas disparaître ta menton. Mais il y a quelqu'un qui est mort aussi. Je ne sais pas pourquoi pas de la Russie. L'aviation a pu faire aussi douter Prigogine, en plus bien sûr du fait qu'il n'a pas reçu les soutiens escomptés. Oui, la menace globale, c'est-à-dire la coupure qui était occupée par des forces et le fait que l'armée de l'air allait pouvoir attaquer. Au passage, je remarque que l'armée de l'air russe dans la Pekosol est plus forte contre l'armée russe que contre les Ukrainiens. Puisqu'on sait qu'en Ukraine, en attaque au sol, l'aviation russe n'est quasiment pas utilisée. Donc c'est contre les Russes qu'elle est plus efficace que contre les Ukrainiens. C'est un peu dommage pour l'armée russe. Pour que les choses soient claires, cette colonne de chars, de blindés, de minibus... Non. Vous savez parfois quand je veux la discuter, mais quand tu veux la répondre, bien tu ris. Tu regardes le parcours. Tu regardes son parcours de vie. Même la puterie l'a dépassé. Même mon permis de conduire l'a dépassé. Même les enfants l'ont dépassé. Même le mariage t'a dépassé. Tu es né pour quoi? Suicide-toi, dis donc. Ceci de toi, pour que tu ne sais rien à l'humanité. Tu es souvent la plus angèle des réseaux sociaux. Et t'as mis Wata. Hein? Quand je regarde parfois le parcours de tous ces petits blogueurs, là, y compris moi-même, tu vois Aïcha Kamos là-bas. Tu ris. Tu vois comment tout le monde fait quelque chose. Et toi qui viens. On voit quand même. La mythomane qui est au Cameroun attache à Monaco, on voit. Une grosse spécialité. On connaît. Fais le lit. Une comme moi. Moi j'ai ma tour Eiffel ici. D'accord? Ok. Quand on te voit, tu sors le métro de. On appelle ça comment hein? De Reims, tu prends le dernier clair qui coûte 10 euros. Ou 9 euros, 50, tu venais à Paris. Pour habiter chez qui là? Je pense que la petite fille là qui vend ses perruques, que tu viens souvent prendre ses perruques. Tu portes après. Vraiment. Donc, il faut lui parler un peu de toi. Hein.
tu n'as rien fait dans ta vie, tu n'as rien vu, tu es la dernière des derniers des bas. Même les gens qui te font croire que tu es quelque chose, tu n'es rien. La fille du commissaire Pisseur, la fille du commissaire Pisseur avec sa sale soeur là, avec sa voix frélatée. L'enfant ici là, tu es parti chercher l'enfant en ton âge, tu es parti mettre ton épouvette là, ton enfant, il fallait amener Lolo pipi, et à Robert il fallait amener Lolo, parce que tu avais ton épouvette là, tu parles, avant tu ne parlais pas fort, et puis des petits gens même comme les Aya Robert, on me connaît même quatre, les gens qui sont nés hier dans 2021 si, ou 2022 si, qui vous connaît même? Tout simplement pourquoi? Parce que quand les Ivoiriens font leur buzz, quand vous payez les vues là, tout le monde me connaît. Je te connaissais où? Tu es d'abord qui? Anneza, Anneza. C'est pour ça que pour les gens comme vous, comme ça, moi-même, ça je demande que, okay, vous sortez même d'où? Les Ivoiriens sont que dès qu'il y a un buzz, les nouvelles coches sortent. Vous sortez, vous sortez, vous sortez, vous sortez. Après, vous n'avez pas la télévision, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, vous n'avez pas la télévision. On dit que ce monde-là, les Ivoiriens vivent que par les bases des réseaux sociaux. L'affaire Bob ici encore, sorti, les nouveaux blogueurs. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas rester tranquillement. Dès que tu ouvres Facebook. Les nouveaux blogueurs, les nouveaux blogueurs, les nouveaux blogueurs. On parle, Bobli, 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 Bobli. C'est comme ça que celui-là, Abou, tu es né ici, devant nous. Hey. Oh, vous ne regardez pas la télévision, les Ivoiriens. Ha. Ha. Je dis que, la vie, c'est. Tu parles, tu parles. Tu, quand tu ouvres Facebook, tu te comme ça. Ivoirien, 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 Ivoirien. C'est tout pour que la théorie, maman, l'apogée, c'est quand on appelle Arafat était mort. Massa. Mais c'est. Mais vous n'avez pas d'intention chez vous, les Ivoiriens. Ils sont tout le temps. Les nouvelles blogueuses sortent tous les jours. Les nouvelles, même gang, gang, gang. Il a envahi la toile. Vous achetez les vues hein. Parce qu'il y a certains que tu regardes depuis quand elle a ouvert son. Le jour que les Ivoiriens ont ouvert son WhatsApp, son Facebook, tu vas te rendre compte que c'était avant-hier. Une seule vidéo. 1500 partages. Bonne chose dans le Facebook, c'est. Mais c'est quoi ça? Mais regardez, moi je regarde Poutine. C'est tout le monde qui veut être blogueur. Les Ivoiriens, ils ne sont plus les bouteurs. Ils sont devenus maintenant les blogueurs. Tout le monde parle de sa théorie. Et tout le monde a les millions d'abonnés. Tout le monde a les vues. Tout le monde a les partages. Et puis, c'est pour ça que moi, je sais que j'ai des amis ivoiriens et tout, mais quand même, vous êtes un peu que je méprise. Hein? Parce que déjà, une grande star comme moi, quand je prends déjà mon temps à voir ce qui se passe là,
Les Ivoiriens, vous avez quel contenu? Celle de Aya Robert, si tu me restes de guerre, je m'en fous. Moi, je te termine. Que moi, j'ai des armes. Elle a dit, c'est quoi, coco? Je vous prévenir, Emmanuel Keta. Vous êtes arrivés, si vous tous, soit vous insultez, ou c'est moi, je Emmanuel West, ou Keta. Vous êtes. Putain. Ah. Vous ne m'avez pas fait. Elle dit que les Ivoiriens m'ont dépassé. Il a vu de ça. Elle dit que t'as vu. Ça. Mais je ne comprends pas. Non, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même, vérifier les réseaux sociaux parce que je ne comprends pas. Tu vends des blogs ivoiriens. Même un petit gars qui fait la vidéo, qui est au fond du village. Même ses yeux sont tout rouges. Il a fait un direct. Alors, on dit quoi? Les plus. Parfois, je veux regarder, mais que l'équipe, il partait même sur les vidéos aussi chez l'équipe, je ne vois pas. Vous savez, vraiment. Moi, je reste dans mes deux vues. Je ne suis pas dans vos choses-là. Parce que parfois même, on ne sait même pas quoi faire ici à Facebook. Un petit problème. J'ai dit, Aya Robert, tu es ma grande soeur. Si j'ai 47 ans, tu es ma grande soeur. Tu as pleuré, comment tu veux faire l'enfant, tu es parti mettre les poubelles. Dès que la monétisation est arrivée, et direct, tu as commencé à économiser, tu es parti mettre les enfants dans le ventre. Quand tu partais, il fallait laver le nom, pipi, non? Il fallait laver le nom? Mais oui, tu es parti faire ton enfant. On t'a plus entendu. Dès que Bob lui est descendu, mon Dieu, allez voir son direct. Le français a coupé au couteau. On ne sait même pas ce qu'elle dit. Elle répète les mêmes choses. Hein? C'est quoi ça? Une longue vidéo qu'elle fait. Les gens sont là. Ils applaudissent pour Bob lui. Elle peut répéter un mot. Répéter. Maman. Elle répète. Finalement, vous n'avez rien dit. Les gens sont là. Ou vous-même, vous sommes là où les. Parce que je. Parfois, je dis les abrutis. Que vous voulez mort, que vous venez pas mort. Vous êtes de sa famille, ça vous regarde. Hein? Ça vous regarde où? Hein? Tout le monde sort son avis. La Mirella qui est au Cameroun là, la Bafia là, les Camerounais. Chantez ici, tu es ma voisine. Tu tiens te connaître l'histoire-ci. Comment peut-être, il faut aider notre soeur, elle se trouve faire en Amérique. Il n'a on l'aide personne. Ne cotisez pas. Avec tous les beaux Camerounais qui y a là, elle est pas venue chercher qui? Bob Lee. Je vous ai dit quand il ne veut pas l'histoire-ci. Allez, pour commencer, on va acheter les cigarettes. Ne soutenez pas Mireille, elle ne mérite pas. Maman, on ne la soutient pas, n'est-ce pas? Nous, on soutient que quand. Zéro soutien, ne cotisez pas. Elle est partie, comment pas? Elle a fait comment? Est-ce qu'elle peut arriver en Amérique? Donc, avec tous ces hommes-là, elle a quitté Kouniakouni avec tous les hommes qui sont dans ce monde-ci pour aller chercher qui? Bobby. Elle ne connaissait pas qui c'est. Un mec qui te tape depuis des années, tu fais encore l'enfant avec lui. Il va faire des tests ADN. Je vous ai dit qu'à moi, aucun soutien. Tu es ma soeur camerounaise. Non. Donc tu veux dire qu'il n'y a pas des associations camerounaises à. Elle habite à New Jersey. Il n'y a pas des associations là-bas. Hein? Mmh.
ils se battent quoi, je suis là-bas, je vois déjà que feu vert. Hein? Après, la même chose, moi, quand je tombe, moi, je tue souvent, je tombe sur tout. Il a dit que, les enfants, en fait, c'est ce qu'est enfants. Ne cotisez pas zéro soutien à Mireille, c'est moi qui vous dis. Quoi de soutien? Quand vous croyez que. Qui a eu le corps de Bobli? Zéro soutien. C'est moi qui te dis. Si hier, me veut joyeuse. On a soutien par rapport à quoi? Moi, je dois être soutenu. Les enfants ont fait ceci. Un soutien. Répétez. Nalingi Tayo. Nalingi. Elle avait acquis Bobby depuis. Maintenant, c'est que les Camerounais ont nos. Je dis que. Oui. Envoyez-moi les étoiles ici, vous bois mon banga avec. Hein? Bobli et moi, ok. On va voir le corps de Bobli. Que je m'en prends pas à qui? Elle s'appelle Mireille en plus. Tu dis que quoi? Mais fille, toi, hein? C'est pas qu'elle te chasse dans mon mur. Hein? On zéro soutien. Il y a deux camps. Je suis dans le camp de ma femme. J'ai bien regardé l'histoire. On va voir le corps de Bobli. Eh, attends, je vais peut-être me le dire dans quel téléphone. Attendez, je vais charger le téléphone. Je voulais sortir, je voulais payer une cigarette. Bon, on fait une heure, après j'arrête. Ce que je veux. Répétez, répétez. Non, les gens ont faim, les gens ont soif. Les gens viennent un peu l'un des bas. On va soutenir Mireille par rapport à quoi? Une prostituée comme elle a. Et les gens, elle a des enfants avec lui. Toujours des Camerounaises. Que des épaves. Des rientons. Rien à foutre. Tu quittes. À Bafia. Avec tous les beaux gosses qu'il y a. Avec Kobe Bryant. Avec Zamazamazo aux États-Unis. C'est pour venir tomber chez qui? Bobli. Oh mec, tu fais d'abord un an, un premier enfant, il était content. Deuxième ADN, il te tabasse. Les gens qui te débossent en mode. Non, il te prenait comme un objet sexuel. Il n'y en a rien à foutre de toi. Et les gens, tu viens rencontrer ta petite misérable, ils viennent les réseaux sociaux, et les gens sont là. Quand toi-même, tu vois comment Bobli insultait à Facebook, on voit déjà qui était. Non, j'habitais à Jésus, oh, c'est nuit, Jésus, ça. Tu fais un deuxième avec un bandit, un gars qui te tape, qui te minute chaque jour. Tu donnes les coups de poing et tout. Et vous venez qu'on dit que maman, parce que Bobli est moi, là, hé hey! Zéro soutien. C'est là. Qu'on appelle Pipitolo, car elle voit, hé, tu connais que les enfants. Lolo, parle ta part. Zéro soutien. Hein? Je m'amène d'abord, toi, je reviens. Hey. Elle dit, il y a un problème de Dieu. Quand Lolo fait souvent certaines choses, elle crie, elle crie, elle crie, elle crie, elle crie. Pour commettre qui? Tu crois que parce que tu vas faire comme ça? Vraiment. Peuple camerounais, ne stoppe pas les bêtises. Aux États-Unis, là où on nous montre les beaux gosses ici, à Bethesda, Washington, à Bazabazabaza. Tu vois qui était ce mec? Les injures de ça. Il me déposait à la voiture à côté, et s'il me déposait, après je rentre à pied, c'était obligé.
On vous a attaché. Non seulement tu étais à l'école là-bas en Corée, ou ce qui vous a envoyé à l'école en Corée du Sud là-bas, tu quittes là-bas, tu fais au Cameroun. Donc, avec tout ton bagage intellectuel et tout ça, tu es pas soumise, votre tabac chaque jour. Et en plus de ça, il n'y a que Bob Nico, tu vas le chercher. Bob est arrêté. Vous avez vu les Camerounaises? Après, il crie à Facebook, zéro cotisation. Envoyez mon argent ici. Envoyez-moi les étoiles, je vais vous donner avec. Elle d'abord veut que. Elle, que Bob il a d'abord épousé. Sa femme, Bob il a épousé où? Elle d'abord veut que Bob il a épousé. Donc elle ne montait même pas dans la voiture pour montrer la voiture de Bob Lee. Hey, il faut qu'elle mette des sens. Aïe. Wombo, wombo. Les lots pipi sont nombreux ici devant. pour monter la voiture de son gars, le père de ses enfants, il faut qu'elle mette l'essence. Quand elle met pas l'essence, il la dépose pas. Ha! Tchaï! Il va te laver. Il va te dire, vous connaissez donc. Sophie, Sophie, j'ai mon temps. Mireille, tu es mort dans mes mains. Mais oui, j'ai dit que même pour monter la voiture de Bobby, elle paye l'essence. Ce que vous entendez ici. Elle paye l'essence. Aïe. Tu vas passer pour dire quoi? J'ai mis le temps ici. Avec la chance. Attends, il va voir que la chambre est déjà arrangée. Les gens marchent dehors par quatre jours. Je n'ai pas le temps. Donc c'est moi qui vais faire les chambres. Je ne fais aucune chambre ici aujourd'hui, je suis fatigué. Les Waru, tiens, ok. La fille là, qu'elle arrange la chambre, c'est comment? Il arrive ma soeur. Hey, tu es vivante. Et j'en marche pas catégorie, il faut dire les Waru. Je dis que zéro soutien à cette Mireille. Elle mérite ce qui lui arrive. Bob lui a fait ceci. Un mec d'abord qu'elle a balle bouche. Un bâton convenant pour lui. Même si Mike Esman en fait une fois. Oh, j'ai dit. Oh, elle n'a pas dit. Oh, on a fait ceci. Zéro soutien à Mireille, c'est moi qui vous dis. Donc, vous tout là. Vous tous là qui dites qu'il faut là. Il faut, parfois, il faut regarder le parcours des gens. Hein? Ton père, ta mère, on t'a payé des études pour aller étudier quoi? Ou étudier quoi là-bas en Corée? Tu qui tu peux au Cameroun? Tu connais déjà Bob Lee? Bob Lee! Il te gnasse comme il veut dans tous les sens du propre du thème. Il te fait un enfant et aime celui-là parce qu'il dit que oui. Les derniers qui le ressemblent comme deux gouttes d'eau là. Il a tabassé, il t'a rabaissé. Tu étais toujours là. C'est quand tu as vu que ça vient pas que tu. Tu sais. Eh hey, non, les Camerounais. Mais toi, quelqu'un vous connaît. C'est un fois que les Camerounais ont mis sa société à Facebook. Oh, son mari a fait ceci. Oh, elle a vécu une mauvaise vie. Bam! Les gens vont envoyer les litiges. Ne soutenez plus. Soutenez la veuve. Mieux vous voyez l'argent ici, il faut pas mon débat ici. On les envoie. Mais oui. Tous les mêmes problèmes qui se. Chaque jour, les mêmes problèmes. Et puis quand ça. Et puis comme il y a les enfants aussi, les petits enfants et tout. Tu veux y aller le premier enfant. Il te tape. Il te tape. Jusqu'à quand tu fuis, tu le gardes, ce que tu as fait. Bon, mais tu ne connais pas l'enfant. C'est obligé. Hein? Et après, ça sort à Facebook. Oh, il faut cotiser. Cotiser. Envoie-moi l'argent ici, je finis pour papa. La pipi de l'eau. Comment elle veut la voir, les vues et les étoiles. Il y a pas de problème que ce que l'autre, tu sais.
La fille, si vous faites son appel, quand elle fait les directs, quand elle fait les directs, il faut tuer qu'elle crie fort, qu'elle montre que. Lolo, tu vas crier, nous d'abord, c'est qui ici à Facebook? Mbap de Mbap. Mbap. Tu peux pas faire un direct, tu parles doucement. Tu crois qu'en criant, quand ça va changer quoi? J'ai une du Wallace comme moi, ou bien un cœur de l'île. Elle est tellement sûre d'elle. Tu veux convaincre qui a Facebook? Tu veux qu'elle voulait. Oh, tu vas connaître Dieu ou alors moi jamais. Hmm? Tu es petit Rupero. Ta patronne c'est Ngosa. C'est tout. Ah oui. Parce que toi, tu, quand tu as commencé à discuter ton lit ici, c'était pour tuer ton lit, tu étais avec Ngosa. Quand tu dis que ton lit ne t'a jamais fabriqué, jamais, c'est Ngosa. Quand j'ai tué, comment faire Nancy? Vraiment? Non, mais tu sais, Lolo, en tout cas, ça vous mentir, Lolo. Quand Lolo est assise, quand elle part, elle a son petit Ricari. Mais dès que maman, tu peux gronder qui, Lolo? Tu peux me gronder, toi si. Tu peux gronder qui? Mais tu as une vie très misérable. Très misérable. Moi ici, je veux du cimetière, ça ne me dérange pas. Tu peux insulter Lolo, tu peux insulter Laurent de Clément, tu peux m'insulter Lolo. Ici, je fais clac quand je suis chez moi. J'ai ma collection, j'ai mon gombo, je m'avais payé mes cigarettes, ma petite bouteille de bain. Hein? Oui, et pourquoi je parle de maintenant à payer mes choses? Je m'assois ici, je regarde la télévision, je fais mes vidéos, je vous pisse dessus, je m'en ai rien à foutre. Ah! La boyeuse internationale! Et les vieux ont fait ceci, et bien ça, ça. Aïe, vraiment. Elle a master, la femme, elle a master 2. Moi, je comprends pas, on dit qu'elle travaille dans un fast-food et tout. C'est tellement un peu incohérent. Hein? Oui, les Camerounais, hein? Je vous donne les mains. En tout cas, c'est vous qui voyez vos choses là. On sort la terre et on la filtre avec un sac en toile pour bien la laver. Parce que l'or et tous les métaux restent au fond. C'est bloqué au fond. L'eau emporte toute la merde là, tu vois. Ah ok. Il y a de l'or là. Ouais, viens voir. Ça c'est de l'or. Ah ouais, et ça? Ça c'est des bijoux. Et après vous les vendez sur le marché? Oui. Ça c'est de l'or. Et ça c'est de l'argent. Le gramme. Quand je vois certains documentaires ici, hein, je trouve que moi je vis au paradis. Non mais il faut bien dire ces salopes là, les vieux bordels, le sang, ça. Zéro soutien à Mireille, tu as un master, tu as fréquenté, tu as un bagage intellectuel. En plus, vous savez ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas. J'ai remarqué que toutes les femmes qui sont intellectuelles, elles racontent toujours les hommes qui les maltraitent. Donc, avec les gens de ton rang là, tu as fréquenté, tu as fait ceci, avec études, avec ça. Le seul homme que tu as mis sur terre, c'est Bobli. Je n'ose même pas regarder quand il te faisait l'amour, quand il te regardait. Les Camerounaises, vous nous suivez tout. Et mon zizino, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon zizino.
Mais je ne comprends pas la bêtise là dans les réseaux sociaux. Les gens qui ont les intellectuels là, qui ont la chance d'aller à l'école, les masters 1, master 2, vous devez vivre avec les gens de votre rang. Mais oui. Tout le monde a payé les études pour que tu puisses faire l'enfant avec qui? Hein? On voit rien, il voit rien. Qui te tabasse, qui te malmène, qui te met à la rue, qu'il faut que tu payes l'essence pour sa voiture, pour te déposer. 4x4. C'est ça que... C'est ça là. Papa, je vois... Papa, je dis que maman, de moi, que l'école de maman... On t'envoie l'école pour aller faire quoi? Ça a été là. Have a master, have a zab. Les filles, elles ont un bagage intellectuel. Elles sont nombreuses ici à Facebook. Parfois, quand tu mets ton poste, quelqu'un, elles sont avec les longues lettres pour venir te parler ici à Facebook. Alors qu'elles sont là dans les maisons. On les appuie. On les tabasse dans les maisons. Tout ne se rend pas, c'est Facebook. Mais c'est, ça fait pitié. Parce que quand je raconte, comme là, quand j'ai vu les bêtises qu'on a dit, comment on parle des bêtises, quand je vois, par exemple, ce que quand elle parle, zéro pitié pour tout. Elle parle quoi? Et vous, les boutiques, les vieilles femmes, les prostituées de base dans les fesses, vous ne regardez pas la réalité. Eh, vraiment, on doit l'aider. On doit l'aider. Parce que je n'imagine même pas quand je vois Bob Lee, quand tu étais nu avec ce Bob Lee là, quand il montait sur toi pour te baiser, tu regardais comment chérie je t'aime. Parce qu'il y a les. C'est un gars, quand tu veux la moi, tu regardes le visage, mais tu es content de regarder le visage. Parce que moi, quand il voit le visage de Bob Lee, je sais pas. Le Camerounais, hein. Il en fiche la personne. Les Camerounaises m'ont dépassé. Et puis, et les amis, tous les réseaux sociaux. Il faut les zéro soutien. Tu es un master. Tu as choisi Bob Lee. C'est la famille de Bob Lee qui va te payer les transports. On va voir ça. Un petit bâtard comme Bob Lee, comme ça, le chien. Il te laisse, hein. Il peut épouser une Ivoirienne. Il épouse l'Ivoirienne pour 11 millions de dollars. Il épouse l'Ivoirienne, il laisse l'Ivoirienne là-bas. Arrivé ici, il commence à faire le chantage aux frères de l'Ivoirienne. Il fait le chantage. Donc l'épouse, il a mangé les 11 000 dollars. Arrivé ici, comme la famille, la fille était peut-être riche là-bas. Il dit à la fille, tu as entendu que tu fais déjà un mariage blanc payé, tu as entendu à payer. La femme est arrivée ici pour faire des papiers pour venir. Il dit qu'on doit lui payer la maison. Un bâtard, un vaurien, un salopard. C'est Bob Lee. J'espère que tu es allé là où il faut. Hein. Il était prévenu. Je vous ai dit que moi, il ne veut pas la paix. Il veut d'abord. Je veux d'abord. C'est lui qui sont. Et qui? J'ai dit que quand moi, je veux payer ma part de l'édition de Bob Lee ici. C'était un bandit, un fainéant. Il ne faisait rien. Il était gardien de sécurité, mais comme tellement une ville sa personne. Donc ce qui fait que quand Bob Lee passe, il sait que hey, on va le regarder. Que les agents de sécurité, il n'est pas content. Il a alors fait de Facebook son métier. Matin, midi, soir. Les étoiles, les vues, les publicités, quand on nous paye. Quand on paye Bob Lee, il va payer la cravate pour marcher. Moi, je t'amène et je crache sur ton corps parce que t'as pas mieux tu meurs même une fois. Parce qu'il y a des gens comme ça et puis les Camerounaises sont là. Elles ne vérifient même pas les choses, elles sont en train de faire les choses. Hein? Soutiens-toi, ta Mireille. Oh Dieu, écoute ma prière. Oh Dieu, sauve-moi. C'est lui qui la cache. Je t'envoie pour tous ces prostituées camerounaises qui vont envoyer 5 francs à Mireille. Envoie un petit châtiment. Zéro soutien. Envoie-moi ici, je mange ici. Voilà les gens.
Que je le lendemain deviens blogueuse, je le lendemain pour lui envoyer l'argent, il faut penser aux enfants. Les enfants de Bob Lee. Donc, vraiment. Donc, le premier homme qui te m'amène, qui t'encule tous les jours, qui te fait du mal, tu pars encore pour y en faire un deuxième enfant qui ne le connaît même pas. Tu es là. Hey. Aux États-Unis, parce que quand moi je vois les Américains, là, ils sont toujours beaux, baraqués et tout. Donc, tout ce que tu pouvais ramener, c'était ce déchet-là de Bob Lee. Ça, c'est un homme, ça. On ne vaut rien. Même être agent de sécurité, il ne faut pas être agent de sécurité. Hein. Parce qu'il a peur que si l'agent de sécurité, quand les gens, comme il insultait tellement les gens, qu'on va le voir avec le chien, il faut que les agents de sécurité ont tué les chiens dans les trucs et tout. On va se moquer de lui. Donc, tu épouses un voyou, un minable, qui ne travaille pas, qui n'a pas de papier, qui n'a pas de carte bancaire, ça. Et tu viens ta. Les bêtises des réseaux sociaux, elles sont zéro soutien. C'est mon mot, j'ai mon mot à dire. Ah. Bobby. Maman, mieux mes amis, mieux je meurs, maman. Un mec qui te. Maman, il me maltraitait, hein. Et tu étais toujours là. Tu es écarté, je n'imagine même pas votre couple là. Quand il montait sur toi, si il suçait même ta bouche. Et Soulou. Elle m'a bonne, bonne année, hein. Elle est belle, avec les petites filles, le corps qu'il faut. Donc, tout que tu as trouvé avec ton bagage intellectuel là, hein, c'est pour aller voir avec Bobby. Si tu es ma fille, je te renie. Je dis que non. Un bâtard comme ça. Il fallait voir quand il insultait les gens ici. Que... Parce que c'est ce que les bobis sont yénènes. Là, après, je dis que c'est encore qui ici. Il n'épargne personne. Vous avez raison que vous les voyez. Comme votre bloc, il ne voit rien à moi. Ça ne donne pas trop. Ah, les bobis. Donc, tes parents te payent les études pour aller aux États-Unis. Il n'y a pas de chinois. Il fallait même pas d'un chinois. Tu vas prendre en plus un mec qui n'est même pas élégant. Même avec la veste, il est vilain. Bob, même avec la veste, Bob, il est vilain. Il parle mal, il te rabaisse, il te tape. C'est là que toi, tu vas mourir. Hein, hein, il me faisait, hein, il me tapait tous les jours. Il avait demandé qu'on fait le autopsie au deuxième enfant. Hein, pour... Et tu es toujours là. Donc, zéro soutien. Tu mérites d'être la merde où tu es. Non, mais tu te demandes dans quelle merde. Tu ne viens même plus avec lui. Tu ne viens jamais avec lui. Donc, tu vas à ton show sous quand tu là-bas, dis donc. Tu vas avec lui. Donc, le fait qu'on a dit la mère de ses enfants. Les Ivoiriens là. Les enfants là sont camerounais parce que nous, on connaît peut-être nos choses. Nirei, si tu ne veux pas, va déposer les enfants à l'ambassade, au consulat de Côte d'Ivoire. À New Jersey, là-bas où tu es. Va les déposer là-bas. Tu que tu ça. Et j'ai vu le petit dernier là, c'est comme ça qu'il ressemble à son vilain père là. Facebook, c'est. Hey, tu peux te tuer à ta fille. Pour aller prendre celui-là. Boubli. Mon gars, Bilal, il avait la bouche. La bouche. Bob, il a vu la bouche. Il n'est pas rien personne. Et quand tu vois ma belle, on me dit, c'est quoi? C'est le, quand je vois que Mira est couché comme ça, Bob, il vient sur la bouche. Il baisse. Ça quand est qu'un objet sexuel et tout. Mira, dit que. Tu me fais mal. Et puis le porte nom de ma soeur. C'est mon nouveau show là-bas, Malox. Moi, je ne suis la même personne. Il faut comprendre. Tu me dis que il y a un bordel de débat. Mais là, c'est une bordel. Elle a raté sa vie. Elle va chercher qui? Bob Lee. Elle dit non.
j'ai un enfant comme ça, je bosse sans... Non, il faut la laisser, tu sais, dans un gouvernement, il faut bien les opposants. Tu vois que je n'ai pas vu quand même insulter. Qu'elle peut, si elle veut m'insulter, qu'elle continue à m'insulter, moi ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Tu sais, il faut qu'on insulte, on bloque tout le monde, on va bloquer tous les deux. Il faut bien que j'ai les opposants dans mon propre gouvernement. Elle sait de quoi, même, elle sait pourquoi elle est là. Hein? C'est tout. Moi je veux faire quoi avec elle? Si elle trouve que venir m'attaquer dans mon territoire, c'est mieux pour elle, qu'elle continue. Quand elle va partir d'ici, elle ne se rendra même pas compte. Moi, je suis maman foufou et que j'ai dit que non. Je suis la femme de Pablo Escobar. Oh, wow. Mon sacré. Pardon, dites-moi, il y a quelle heure là? Il y a une heure. Parce qu'il faut que j'achète les cigarettes. Faut que demain. Des maximums d'essence, tout ce qu'ils peuvent. Et au retour, ils se retrouvent sans. Rien dans le réservoir. Exactement. Et au retour, ils achètent des bouteilles de 5 litres. Sinon, ils tombent en panne d'essence. Pour revenir à la station essence, ils doivent en remettre dans le moteur. Lui, il a tout vendu en Colombie. Pour que le voyage rapporte un maximum d'argent, les contrebandiers ont jeté leur dévolu sur des véhicules équipés de gros réservoirs. Et dans ce domaine, ce sont les Américaines les meilleures.